On va partir de là. L'ancienne bibliothèque et le marchand de scarabée. Maître Taharqa, mon nom est Bayek, de Siwa. Je suis bien Taharqa, grand architecte de Saïs et régisseur de l'Étopolis. J'ai vu ta famille. C'est ta femme qui m'envoie. Elle dit que tu sais peut-être des choses sur le scarabée. Ce n'est pas le lieu pour en parler. Je n'ai pas envie que quelqu'un nous entende. Viens à l'intérieur et je te répondrai. Le mec qui pique un spring pour rentrer chez lui. Ton fils est très fier de ton travail. Tu lui manques. Il sera bientôt là. C'est mon rêve de voir mon fils et ses descendants marcher sur mes traces. Les rêves des grands hommes bâtissent le monde. De quoi rêves-tu, Bayek? Ah, je n'ai pas le loisir de rêver. Je cherche le scarabée. Le scarabée s'en prend aux faibles. Il ne me menace pas. Tu n'as pas peur du scarabée, Taharqa? Pourtant, après ce qu'il a fait au père de ta femme... Le sort du pauvre Goupa m'attriste. Quelle que soit l'œuvre de ma vie, quelle que soit ma responsabilité, je prie les dieux pour leur pardon. Maître Taharqa! Ils attaquent de nouveau les ruines! Bayek, viens te battre avec moi. Le vent se lève. Le sable avec lui. Ce bruit insistant est la voix de la tempête. Ces chiens du désert font de la tempête leur cri de ralliement. Ces pillards se servent de la tempête de sable pour masquer leur raid. Reste près de moi! Ne te laisse pas contourner par ces chiens! Je ne vous laisserai pas détruire mon œuvre! Par ici! Repousse ces nègres cadettes! Ils sortent de la tempête! Allez, c'est bien ça, lance. Ah mince, j'ai tué un âne. Voilà. Guerriers de l'Étopolis, levez-vous et défendez vos maisons. Mechai, montre-leur le visage de la justice. Bayek, ne t'écarte pas dans la tempête. Vous pensiez trouver des lâches, mais vous êtes tombés sur d'implacables guerriers. La mort.
Ces pillards se prennent pour des lions, mais ce ne sont que des chiens. Bayek, attaque-les! Reste près de moi, Bayek! Les deux polices sait se défendre, bande de vermine! À mort, misérable chien! Enfin, et où? On va changer d'arme parce que... Ah, raté. Moi aussi j'ai raté. Allez. Cette lance est magnifique. Bien l'œuvre de ce maître forgeron de Saoul. Le serpent de Sarapis est une arme digne des dieux. Bayek, tu les as taillés en pièces comme les crocs de Sobek. Bayek, viens avec nous. Je veux en finir avec ces chiens du désert. Grâce à toi, nous allons mettre un terme à leur règne de terreur. Je comprends ta soif de sang, Tarka. Mais ces pillards ne m'intéressent pas. Je veux que tu me parles du scarabée. N'est-ce pas un insigne de Medjay que tu portes? Ces bandits représentent une terrible menace pour le bon peuple de l'Étopolis. Chevauche avec moi, Bayek. Et lorsque nous aurons renvoyé ces chiens dans le désert qu'ils aiment tant, alors je te dirai tout ce que tu veux savoir. Très bien. Aujourd'hui, je combattrai à tes côtés. Viens, Bayek. Prends tes armes et joins-toi à nous. Loyaux serviteurs de l'Étopolis, nous allons débusquer ces pillards et arroser le sable de leur sang. Cette tâche que tu t'es imposée, elle semble impossible. Seuls les dieux savent ce qui est impossible. Et si je ne cherche pas à décrocher les étoiles, comment savoir jusqu'où m'en approcher? L'Étopolis était une merveille, avant que le désert ne l'avale. Je veux montrer au monde, aux dieux, que les hommes peuvent tout accomplir s'ils y mettent leur âme. Peut-être as-tu été envoyé par les dieux pour m'aider à accomplir mon rêve. Tu es fort. Tu as l'œil vif. Nous pourrions rendre sa gloire à cette région. J'ai ma propre tâche à accomplir. On verra si j'arrive à te convaincre. Encore moi, j'arrive. Aussi stupide qu'un babouin.
dirais que des brigands ont fait leur nid là-haut. Ces fanatiques mettent des gens en cage. Pitié, Ned. Pitié, Ned. Si tu as tant soit peu de cœur, libère-moi. T'as vu, j'ai ouvert la porte. Je te remercie, Bayek. Avant que tu arrives, je croyais mon rêve condamné à mourir. Tu m'as donné la force de traquer et de tuer ces pillards. Qui étaient-ils ? Des adorateurs de Sekhmet, la dame du massacre. Seul le chaos les intéresse. Sont-ils proches du scarabée ? Non, ils se prennent pour des lions, mais ce ne sont que des charognards. Et maintenant, les voilà devenus charognes. Je vais ramener ce prêtre en ville. Retrouve-moi chez moi. Nous dînerons, et je te dirai ce que tu veux savoir. Maître Tarka, que Ptah vous bénisse, ainsi que le protecteur. Comment t'es-tu retrouvé ici ? J'ai été enlevé par une figure. Je croyais que la porte de même difficile. Je retourne chez Tarka. Il va peut-être qu'ils vont attendre un peu plus sur le scarabée. T'as vu la tempête de sable ? Entre, père a dit que tu viendrais pour le dîner. Ravi que tu aies fait bon voyage, Maharet. Oui, les dieux ont béni notre périple. On a vu des vautours, et une hyène, et tout ce sable ! Assez de sable pour remplir une vie. Voilà pourquoi il nous faut tant d'hommes pour accomplir notre tâche. Et que promets-tu à ces hommes, Tarka ? Une parcelle de terre et une maison à leur nom, à condition qu'ils les reprennent au désert. C'est tout ? Ils doivent déterrer leur maison. Ce n'est pas une tâche si facile. Nous devons tous œuvrer pour honorer les dieux. Les gens savent que mon père dit vrai. Et tu as bien raison de l'honorer, Kawab. Au sauveur de l'Étopolis. Partageons ces quelques dattes au miel. Et... tout va bien, Bayek ? Tu es souffrant. Quoi, c'est un prêtre ? Oula.
le sable du désert, c'est pas bon. Hein. Que les dieux te maudissent, Stark. Jusqu'à ton dernier jour. C'est pas Arca, le carabin. C'est nous. Aya. Où es-tu, mon amour? Kemu. Je n'ai pas su. Ne m'en veux pas. J'arpenterai bientôt les ténèbres avec le cachet. En chemin vers les champs de roseaux. Il y a un scorpion qui a traversé ma tête. Tu es un homme comme les autres, mais le sort de notre monde repose sur tes épaules. Il y a des gens qui me parlent. Tout ce sang et cette vengeance t'apporteront-ils la paix ? Est-ce que ma mort t'a comblé ? Ça t'a plu d'effacer mon nom de la peau de ton bras ? Ben non, ça fait mal. Je sais pas comment on fait pour ce que vous savez. Ah, ça bouge ? Bayek de Siwa, qui es-tu aujourd'hui ? C'est bien. Mon cheval. Heureusement que c'est noué là, parce que... Que les dieux te protègent. Sans armes, ni armure, ni argent. Par où commencer? Vite, avant que le vent n'ait effacé les traces. D'abord, les armes. Ensuite, le scarabée. Cet endroit est très bien gardé. Robuste. Je parie ce que tu veux que tel qu'il est parti, il tiendra au moins 3 jours. Tenu, attends, va aller voir.
Ils auraient dû rester dans l'ombre. L'apprenti fait tout. C'était tout. Accepte ses armes et ses armures en guise de paiement. Tu en comprendras immédiatement la valeur et en retour, j'attends de ta part des services à la hauteur. Cette lance est magnifique. C'est bien l'œuvre de ce maître forgeron de Sao. Le serpent de Sarapis est une arme digne des dieux. Quasiment tous sur le toit. C'est ce que lui vient sur le bord. T'aurais pas dû venir ici. Ah,
Moi, je me suis fait un peu sauter. Hein. C'est donc ainsi que meurt un rêve. J'aurais pu bâtir quelque chose d'éternel. Et Gupa aurait pu chanter les louanges de tes prouesses. Je regrette bien des choses. Nous œuvrons pour des forces supérieures. Nous sommes tous des jouets des dieux. Nul n'y échappe. Je ne suis qu'un membre de l'Ordre des Anciens. Cette victoire ne t'offrira pas la paix. Ce n'est pas la paix que je cherche. Ce n'est pas pour mon âme que je mène ce combat. L'Ordre des Anciens m'honorera comme le porteur des eaux et le bâtisseur des villes. Le désert reprendra sa place et dispersera le rêve de l'Étopolis comme du sable. Prends soin de lui. Si tu peux, essaie de lui expliquer. Quelles horreurs as-tu fait entrer dans ma maison? Tu étais aveugle. Mais désormais, tu dois ouvrir les yeux. Ton mari était le scarabée. Il était coupable. Il a battu et il a torturé ton père. Et d'autres gens avant lui. Non! Tu dois désormais élever ton fils dans la lumière. Loin du sang. Et des ombres répandues par ton mari. Pardonne-moi, mon fils. Bonne nouvelle, Leila. Le séquençage est terminé. Tu peux te synchroniser avec les mémoires d'Aya. Elles sont assez fragmentées, mais tu devrais pouvoir t'y plonger un petit moment. Mon esprit ne te quittera pas. Et... d'accord.
Comme à la bataille de Salamine, capitaine. Je t'ai pris au piège. Voilà ce bon vieux Thémistocle. Et la partie est gagnée. Gamoto, Phoxidas, pourquoi doit-on livrer tous ces trésors? On pourrait aller vivre la belle vie à Lesbos avec tout cet or. Que veux-tu, rat du désert? Si ce coffre ne parvient pas à pomper ce navire non plus. S'il le faut, nous ramperons devant Hadès pour le livrer. Très bien. Au travail, bande de Vlakos! Tamastès, mon fidèle porteur de bouclier, active-toi! On nous a engagés pour soudoyer Pompée, pour sauver une reine et gagner un royaume. Rien d'inhabituel pour des mercenaires. Alors, on avait dit utiliser elle. Allure de rame. Maintenez R2 pour la vitesse du combat. Ok. Doucement. Il y a des récifs devant. J'ai des yeux. Je les ai repérés. C'est ton troisième voyage et tu donnes déjà des ordres. J'adore te voir baver dans ta barbe, Phoxidas. Tâchons de ne pas finir dans l'eau. Ce serait une mort indigne pour un héros de ma trempe. Un vrai héros saurait se sauver en nageant. Rassure-toi, je n'aime pas prendre des risques inutiles. Là, tu essaies seulement de m'impressionner. Le mec a le poids beau, il me donne mal au bras. Hein. Des voiles à l'horizon, là-bas! Ce ne sont pas les couleurs de Rome! Dans quel guépier nous a entraîné cette reine Véronée? Des navires de Ptolémée, envoyés par l'ordre des anciens. Et que peuvent-ils vouloir à Pompée? Les armées de Pompée offriront le trône à Cléopâtre. Leur objectif est d'empêcher cette alliance. Nous devons faire vite. Par la barbe de Poséidon, l'air est déjà chargé de fumée. Près du volcan, les eaux bouillonneront. Nous devons rester à distance si on ne veut pas brûler. C'est le Métana? Cela fait des siècles qu'il est endormi. Ça ne m'étonnerait pas qu'il se réveille. Tenez-vous prêts! Montrons à ces traîtres qu'ils ont choisi le mauvais pharaon! Il y a un volcan en éruption juste à côté, c'est super. Une pluie de feu! Sortez! L1. Pas faible. L2. C'est sympa, mais c'est pas aussi drôle que dans Black Flag. Visez leurs poupes! Elles sont remplies d'huile! Ils brûleront comme de la merde de chameau! Allez, les dégâts! On tire! Allure d'épronage! Ouvrez les côtes du poisson! Ah là là! On tire! On tire! Oui! On a coulé le dernier! Toujours aucune trace de ton maudit Romain! Prends garde à tes paroles, capitaine. Nous avons besoin de Pompée. Il est général. Je n'ai pas fait tout ce chemin pour le couvrir d'insultes.
Je suis comme je suis. Je me moque de ces flacos de rois et de reines. J'ai quitté ma femme et mes enfants à cause de ça. Je désespère les gens de raison. Moi, tu me conviens. Tu nous conviens. Allez là ! La reconnaissance de ces braves notailles me suffit. Ce n'est jamais facile de dire adieu à ceux qui nous rejettent. Mais c'est la seule voie qui s'offre à nous. Vraiment ? Pompée sera à l'endroit convenu, au large de Fira. En route. Le prenage est tiré dans les postes. Le prenage des navires. Couler un navire en éprenant accélère le rechargement. Tire dans les postes. Un tailleur est un pour s'abriter et relâcher immédiatement après. L'arrivée des positifs est mise sur votre navire. Là, je le vois. Pompée fait route au nord. Doucement. Il y aura sans doute des patrouilles. Tu me donnes l'ordre d'éviter le combat? Parades, femme, bien sûr que non. Mais j'ai pas envie de mourir en protégeant un Romain. Surtout un de ceux qui ont de quoi se protéger. Tu sais, toi, tu devrais rejoindre l'équipage de cette trirème. Tu y serais à ta place. Bombe incendiaire parée! Lance-les quand nous sommes tout prêts! Est-ce que je peux toucher de là? Non. Il faut les arrêter. Ne les lâchez pas, mes vieilles crapules. Nous les briserons ou ils couleront en même temps que nous. Allure de rame réduite. On tire. Il en reste un. Très bon travail. Peut-être quelque chose de toi, après tout. Méfie-toi, vieillard. Je suis plus doué pour me battre que pour m'arriver. Voilà. La partie est gagnée. Bien joué. Bon, allons voir ce Metrocoïtes. Je ne me suis jamais retrouvé face à l'un de ces généraux romains. Quoi? Ne me dis pas que tu aimes ces enfants, putain. La guerre civile ravage l'Égypte et une trirème de mercenaires vient à mon aide. En plein conflit avec César, c'est étrange tout de même. Parades, qui êtes-vous? Nous aurions pu te laisser mourir. Pompeius Magnus. Salutations et bienveillance de la reine Cléopâtre. Cléopâtre offre de l'or pour s'assurer mes faveurs une fois que j'aurai Rome. Est-ce là toute la bienveillance de ta reine? Quel visage vois-tu sur cette pièce? Les Romaines ont-elles droit à un tel honneur? Une alliance avec Cléopâtre est une véritable union de pouvoir. Elle ne veut pas d'un simple allié. Elle cherche un roi. Une amitié précieuse, alors. Entendu. Ma flotte fera bientôt voile vers l'Égypte.
Bon, ben voilà, c'est bien. Principal. Bon, ben, on a réussi à avoir le scarabée. Bon, il a quand même martyrisé son beau-père, mais bon. Donc, la prochaine fois, ce sera principal. Ce sera la hyène. Et après, on fera le visage du lézard. Voilà, c'était tout. Allez, salut!